best. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Run, gotta catch 'em. Eh bien salut à toutes et à tous, les gens, c'est Moketo pour parler de tous mes entourdants. On se retrouve pour la suite hein, du let's play de Pokémon Let's Go Evoli. Toujours en direct de la forêt de Jade. Et donc voilà, on va essayer de trouver, donc comme je vous le disais à l'épisode précédent, un bulbe bizarre. On va essayer de trouver un bulbe bizarre, il y en a dans la forêt de Jade, je vous le dis, il y en a. On va d'abord se débarrasser de ce petit gosse là qui fait le malin. Il fait le malin, mais moi je te fais charge dans la gueule. Alors oui, c'est un peu répétitif au début. Hein. Niveau combat, c'est pas très intéressant, parce qu'au début, c'est des dresseurs très simples. Et là, comme on a que Evoli, qui a que charge ou vive attaque, bah oui, forcément. Forcément, c'est pas la dinguerie. Mais vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On aura des Pokémon. On aura bientôt, hein, normalement, un Pokémon un peu plus intéressant, Bulbizarre. Hein. Je veux Bulbizarre. Ouais, niveau 10. Oh, Lady, niveau 10, c'est bien ma grande. Ah voilà, elle veut apprendre double pied, c'est déjà une attaque beaucoup plus intéressante, chose qu'elle n'apprend pas normalement, Evoli n'apprend pas normalement double pied dans les versions classiques. Donc ça c'est cool, hop là, c'est bien ma lady, c'est bien. Vous avez battu Alfred, oups j'ai plus de Pokémon moi, t'es deg, bah oui t'es deg mon gars, je sais que t'es deg. Alors, est-ce qu'on peut aller par là, putain mais il y a trop de monde ici. Ah là là, ah là 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 là. Bon, toi, je vais te capturer. Ouais, je vais essayer de te capturer quand même. Hop. Voilà, histoire de mettre un petit peu d'interaction dans l'épisode. Ah, très bien. Très bien, très bien. Donc, écoute, tu sais quoi, je vais pour une fois te lancer une baie dessus. Merde, je voulais pas faire ça. Ah, voilà. Et vous voyez que là, le cercle a changé de couleur. C'est devenu plus simple. Et en plus, j'ai fait un bon timing. Non, mais alors là, s'il rentre pas, je comprends pas. Parce que là j'ai passé un niveau facile de capture, voilà. Et en plus, j'ai fait un lancer excellent. Donc là, franchement, s'il n'était pas rentré, j'aurais pété un scandale. Mais il est rentré, donc tout va bien se passer. Voilà. Voilà, voilà, les potes. Chétifleur est capturé. Donc, cherchons Bulbizarre. Ok. Bonjour, madame. Eh bien, moi, je suis première dans ma classe en lancer de Pokéball. Tu veux connaître le secret? Mais oui, bah alors, comme vous vous doutez bien, il y a... Comment dire? Il y a des Pokémon qui apparaissent plus facilement que d'autres. Hein. Bulbizarre, il doit être un level assez rare, parce qu'on n'en a toujours pas vu. Mais ne vous en faites pas. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Bon, tant pis. Si, en fait, si. En fait, si. Voilà. Je me marre parce que je viens de recevoir un message d'une pote. Des bisous à toi si tu regardes. Elle vient de m'envoyer un message. Putain, j'ai prêté ma version Pikachu à un gosse. Parce qu'elle fait du babysitting un peu. Et il a remplacé l'attaque éclair par reflet de mon Pikachu, ce connard. Ah, la pauvre. Mais tu sens tellement la haine. Enfin, c'est horrible, en vrai. C'est horrible, c'est horrible. Elle m'envoie mon pauvre Pikachu. Putain, la pauvre. Ah, j'avoue que c'est un peu chaud, quoi. C'est... Ouais. T'enlèves éclair pour reflet, tu l'as mal. Hein. Tu l'as dans le mal. Je pense que tu l'as un peu dans le mal. Flacon de parfum. Ça, c'est cool. Alors, les flacons de parfum, d'ailleurs, pour en parler deux secondes, ça sert, en fait... Merde, non. Il me semble que ça sert à attirer plusieurs Pokémon. Une substance qui fait apparaître les Pokémon rares plus facilement pendant... Ah, bah oui, voilà. C'est exactement ça. Donc, techniquement, je pourrais... Ah, bah voilà. Il est là, le petit Bulbizarre. Ah, non, 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 connard. Mais attends, mais c'est énorme, parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose
dans ma version à moi. C'est-à-dire que Bill Bizarre, il était apparu tardivement dans la forêt, vers la fin de la forêt de Jade, et en plus, j'avais flippé parce que j'avais un Pikachu qui m'était arrivé devant, et du coup, j'avais peur que Bill Bizarre disparaisse. Parce qu'il me semble que dans l'application portable, quand tu veux un Pokémon et que tu te trompes en fait, enfin que tu lances un autre combat contre un autre Pokémon à la place de celui que tu veux, bah il disparaît je crois, je sais plus exactement. Bulbizarre, calme-toi. J'aime beaucoup Bulbizarre. Autant Florizarre, je suis pas un énorme fan au niveau du design, mais autant Bulbizarre je le trouve trop mignon. Mais après ça c'est pareil, c'est peut-être purement subjectif parce que j'avais une peluche Bulbizarre en fait quand j'étais tout petit, j'avais une petite peluche Bulbizarre, ça a été une de mes premières peluches, donc forcément il y a un attachement quoi. Voilà, j'ai capturé Bulbizarre. Ah là 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 là, je vous raconte ma vie, mais en vrai je suis content, on a capturé Bulbizarre. Ouais bon, on s'en fout de vous tous, là. Vous êtes tous des cons. Là. Et alors petit ajout au Pokédex. Oh il est mignon. Il peut survivre plusieurs jours sans manger grâce aux nutriments contenus dans le bulbe sur son dos. Très bien. Alors, là, je vais faire un peu de changement, un peu de rangement. Oui, voilà, c'est ça, il était apparu quasiment au même endroit, quoi, dans mon autre version, je suis choqué. Alors, on va prendre Bulbizarre dans l'équipe. Il est niveau 5, inclure dans l'équipe. Hop. Et alors, est-ce que je peux les mettre au PCE ? Ah oui, je peux. Retirer de l'équipe, parce que j'aime pas me balader avec des Pokémon dont je me sers pas. Même si ça fait un peu... Même si ça fait une belle comment dire, des beaux renforts, tu vois, si jamais je suis dans le besoin. Et alors, ça aussi c'est cool, et ça aussi j'espère qu'ils garderont dans la prochaine génération à venir, c'est que on peut changer les surnoms des Pokémon quand on veut. C'est-à-dire que Lady, si je veux, là, je peux lui changer son nom, voilà. Alors que dans les versions habituelles, bah, faut que t'ailles voir un gars en particulier pour le changer. Sauf les Pokémon échangés, ça change pas. Les Pokémon échangés, que si quelqu'un vous donne un Pokémon par échange, bah, vous pourrez pas lui changer son surnom. Alors, quel nom on va lui donner ? Quel nom on pourrait lui donner ? Je l'appellerais bien... Oh, je sais pas, moi. Oh, je sais comment je vais l'appeler. En fait, c'est bon, je sais. On va l'appeler... Samaragde. Voilà. Pourquoi Samaragde, me diriez-vous ? Pour ceux qui connaissent pas, en fait, Samaragde, c'est le lieu... Alors attends, je vais vérifier. Je vais vérifier parce que je me suis pas trompé. Je vérifie en direct live sur... Voilà, c'est ça, ça s'écrit bien comme ça. Samaragde, en fait, c'est un lieu dans Pokémon Colosseum et XD, où en fait, c'est un lieu très, très verdoyant, en fait. Beaucoup de verdure et tout, et où notamment au centre du village, c'est un énorme arbre, en fait. Donc voilà, Samaragde, j'aime beaucoup ce lieu, donc voilà. Ça m'inspire beaucoup la nature, beaucoup le vert, et donc voilà, on va l'appeler comme ça. Et donc... Déjà, on va le déplacer, on va le mettre en premier, histoire de l'entraîner. Et on peut aussi, hop, le sortir de la Pokéball, comme ça. Et voilà, il nous suit. On a notre petit Samaragde qui nous suit. Oh, il est trop mignon. La bonne odeur de l'herbe relaxe Samaragde. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Très bien. Eh bien, mon petit Samaragde, on va lancer un combat. Eh, minute, on n'est pas pressé. Alors, un petit peu quand même, hein. On va pas se mentir, on est un peu pressé. Alors, mon petit Samy. Attends, alors par contre, ouais, le combat va pas être très intéressant parce que très acier, contre Bulbizarre, je vais pas lui faire très très mal normalement. Mais bon, on va voir ça. Mais non, t'es que niveau 3. Ah, j'ai Fouillian quand même. Il a quand même Fouillian, donc c'est cool. En plus, pour l'arène de Argenta, c'est très bien qu'on ait Bulbizarre. Aïe, parce qu'il fait un peu mal, hein, Pierre, en Argenta. Quand même, il fait quand même un peu mal. Même si, oui, le jeu est quand même simplifié, encore une fois. Il est quand même simplifié sur beaucoup de choses, mais quand même, ça fait quand même mal si t'as pas un Pokémon plante ou un truc qui fait du mal au Pokémon Rush. Rock'n'roll. Je refais charge, voilà, c'est un peu répétitif, mais genre, en même temps, je vais pas lui faire Fouillian. Faut que ça se trouve, ça lui fait mal, hein. On ne sait pas.
Oui. Fouillian. Voilà. Ça dégage. Mec, trop violent. Ça dégage, on te dit. C'est pas grave, mon gars. T'as fait ce que t'as pu. Voilà. Moi, je dis, c'est le principal. T'as fait ce que t'as pu. Et on va pouvoir sortir de la... Ah, merde, j'avais pas vu. J'ai marché sur un... J'ai marché sur un seigneur pain. Non, je vais pas capturer, j'en ai pas. J'en ai marre. J'en ai capturé trop des petits insectes. Insectes. Hop là. Et donc, c'est très marrant parce que, bah voilà, chaque Pokémon a sa petite façon de marcher. T'as des Pokémon qui vont marcher devant toi, en fait, qui courent plus vite que toi. Donc, c'est très, très cool. Cherche bien partout pour tous les attraper. Ouais, mais non, je compte pas tous les capturer, justement. Plus un Pokémon possède de PC, plus il est fort en combat. Il paraît que plusieurs paramètres entrent en compte pour calculer cette valeur. As-tu remarqué les arbustes sur la route? La TS Trancharge permet de les couper. Oui, sauf qu'on l'a pas encore, mon monsieur. Tu spoil un petit peu. Papy Spoiler, on va l'appeler. Très bien. Bah écoutez, je suis pas sûr. Ah merde! Oh, mais à chaque fois, ces chenipans, comme ils sont verts, je les vois pas. Et du coup, je marche dessus. Tu m'énerves, chenipan. Laisse-moi tranquille. Il me semble qu'il y a des piafabecs ici. Bon, c'est pas très grave, j'en veux pas un dans mon équipe, mais... voilà. Voilà, petite information, il y a des piafabecs ici. Ok. Ah, cool, je te cherchais. Il y a une arène Pokémon ici, on peut y affronter son champion qui est super fort. Les champions d'arène sont impressionnants. Mais si on veut progresser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les affronter. Je suis sûr que ton petit Lady brûle d'envie d'en découdre lui aussi. D'ailleurs, maintenant, pendant que j'y pense, j'ai des trucs pour toi. Oh, des potions, c'est gentil. On en aura sûrement besoin pour le champion. J'ai fait des stocks grâce à l'argent que j'ai gagné en combattant. Du coup, je t'ai pris un petit quelque chose. Bonne chance, tu arrives à gagner. Il est vraiment gentil, hein. C'est vraiment pas Blue. Hein. Le mec, il t'aide de ouf, alors que Blue, tout le contraire, il te marchait dessus. Bonjour. Sais-tu ce que je fais là? Non. Non, je sais pas, en fait. Je sais pas, je sais rien, Jon Snow. Je vaporise du parfum sur mes fleurs pour attirer les Pokémon sauvages. Alors, elle les attire, et lui... Je vaporise du repousse pour éloigner les Pokémon. Tu sais, le... Les mecs sont pas du tout d'accord, quoi. Ils sont pas du tout d'accord entre eux, quoi. Il y en a un, il est en mode... Il y en a une, elle est en mode... Ouais, trop bien, les Pokémon. Et l'autre, nique ta mère. Très bien. Allez, on va soigner Bulbizarre et Evoli. Tiens. Oui. C'est gentil de soigner, madame. Merci d'avoir attendu. À bientôt. Très bien. Waouh, ils sont connectés à la Switch. J'ai fait un échange avec la fille à côté de moi. J'ai deux Pikachu, donc je peux lui en passer un. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Attends, excusez-moi. Je suis en train d'échanger mon Melofé contre Pikachu. Très bien. Non, merci. Je préfère garder encore mon argent. Bah ouais, au début du jeu, on n'a pas encore beaucoup d'argent. Donc autant garder l'argent, quoi. L'argent des abonnés. Pierre, le champion de l'arène d'Argentin, utilise des Pokémon de type proche. Ils sont particulièrement vulnérables aux capacités de type plante et eau. Et oui, c'est qu'il faut penser aux affinités du type si on espère battre un champion. Quoi, la Team Rocket est au Mont Sélénite Miséricorde. Comme tu dois. Ah oui, d'accord. Il était au téléphone. Bah en même temps, on voit pas que t'es au téléphone, mon gars. Donc à un moment donné, il faut arrêter de te foutre de moi, quoi. J'ai envie de te dire. Bon, et eh bien écoutez, les gens, on va se quitter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se dit à très vite pour la suite du Let's Play de Pokémon Let's Go Evoli. Voilà. J'espère que. Enfin, normalement, je publierai une vidéo par jour à peu près. Mais voilà. En tout cas, bah des bisous, plein de bisous. Portez-vous bien. Et à très vite pour la suite. Voilà. Ciao. Pierre, je vais lui refaire son petit boule avec Bulbizarre. Ça va être terrible. Pierre, il va pas comprendre ce qui lui arrive.